L'iPhone peut être localisé même éteint. Localiser vous aide à localiser cet iPhone en cas de perte ou de vol, même s'il si est en mode réserve ou éteint. Ok, bouton. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Voilà ce qui est arrivé, j'ai voulu éteindre mon iPhone et voilà cette petite fenêtre qui est apparue. L'iPhone peut être localisé même éteint. L'iPhone peut être localisé même éteint en cas de perte ou de vol. Vous allez être capable, grâce à cette petite astuce, de localiser votre iPhone perdu ou volé, éteint, ce qui est vraiment ultra sympa. Localiser vous, vous aide à localiser cet iPhone en cas de perte ou de vol, même s'il est en mode réserve ou éteint. Vous pouvez modifier la fonctionnalité réseau localisé dans réglages supérieurs à localiser. Allez, on y va tout de suite. Alors, surtout si cela n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et à nous rejoindre en section membres. Allez, comment activer ou désactiver cette fonction si vous perdez ou si vous faites voler votre iPhone, c'est parti. OK, bouton. Alors, je vais éteindre cet iPhone 12. Appeler, éteindre, éteindre. Voilà donc pour régler cette fonctionnalité, vous allez vous diriger sur réglages, sur votre compte et ensuite, vous allez trouver l'option localiser. Localiser. Localiser, bouton. Vous allez rentrer dans localiser. Localiser mon iPhone, activer, Une fois que vous allez rentrer dans cette option, vous allez tout simplement ouvrir. Localiser mon iPhone, vous Permet d'afficher la position de votre iPhone et des autres accessoires pris en charge sur le plan. Localiser mon iPhone. Et là, tout simplement, vous allez dans localiser mon iPhone. Reconnaissance de l'écran, désactiver. Localiser mon iPhone, activé. Bien sûr, vous rentrez à l'intérieur. Localiser mon iPhone. Activer. Et là, vous allez donc trouver différents choix. Localiser, verrouiller ou effacer cet appareil et les accessoires pris en charge. Cet appareil ne peut pas être effacé et réactivé sans votre mot de passe. Lo Ce qui veut dire que ici, si vous faites par exemple voler votre iPhone, si vous le perdez, vous allez pouvoir l'effacer à distance à partir d'un autre iPhone ou, ou d'un iMac ou d'un MacBook. Réseau localisé. Activer. Réseau localisé. C'est ici que ça devient intéressant puisque c'est cette option qui va vous permettre en fait de vous permettre de récupérer, de localiser votre iPhone malgré qu'il soit éteint ou malgré qu'il soit en veille ou malgré qu'il soit perdu. La participation au réseau localisé vous permet de localiser cet iPhone même lorsque ce dernier est hors ligne, en mode réserve ou éteint. Ce qui veut dire que cet iPhone va réussir à se connecter avec d'autres iPhones et va vous permettre de pouvoir le localiser malgré tout. Envoyez la dernière position. Activez. Envoyez automatiquement la position de cet iPhone à Apple. Donc voilà où il va falloir donc vous diriger dans Réglages, sur votre compte, l'ouvrir et aller dans Localiser. Vous allez pouvoir activer cette fonction et cela vous évitera de vous faire ou voler votre iPhone ou de le perdre ou de le localiser malgré que votre iPhone soit éteint qu'il qu arrive merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo c'est super important au niveau du référencement de la chaîne je compte sur vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous